Some travel in cars and are accompanied by the radio. Others travel by metro and are accompanied by live musicians. Most Montrealers are so used to the metro system that they slide their transit passes through the reader and descend into the underground city without a second thought. The metro is a natural part of Montreal, and the musicians who line its corridors are a natural part of the metro. From the funny little harmonica man who only knows one tune, to talented violinists who use the metro to test out their repertoire and practice playing in front of a crowd, Montreal's metro musicians certainly reflect the city's diversity. Musicians simply appear underground one morning and decided to stay? Not unless they wanted to be arrested. Playing in Montreal metros was illegal until 1983, when 12 musicians were arrested for breaking this law. A judgment rendered in their favor legalized playing in the metro, and the number of metro buskers has constantly multiplied since then. Today, well over 500 musicians fill the metro with their songs. MUCTC representative Michel Leboeuf explains. Avec l'implantation de zones désignées dans certaines stations, là où ils peuvent jouer de la musique. Évidemment, nous, on ne pouvait pas aller contre la loi. Et on s'est plié à bonne volonté de la population et des musiciens comme tel pour essayer d'encadrer ça de façon à ce que ça ne soit pas ni pénalisant pour les voyageurs, parce qu'il y en a qui pouvaient être dérangés par ça, et aussi que ça soit correct pour les musiciens aussi, qu'il y ait une espèce d'entente qui règne entre eux. The Association des Musiciens Indépendants du Métro was officially established in 1983. Led by Sylvain Côté, a talented veteran metro musician himself, the association's goal is to promote metro buskers and to protect their rights. The association also deals directly with the Montreal Urban Community Transit Commission, the MUCTC. Every musician who plays in the metro is an automatic member of the association. It offers a PR service, a telephone information line, and a listing of its superior artists who are available for private events. The association establishes rules which all musicians must follow. Rules on scheduling, designated playing areas, and other details.
Donc vous avez commencé, vous dites ça fait 12 ans? 12 ans. Moi, les premières places, c'était à Henri Bourasson. La première fois que j'ai pris dans le métro, j'avais 18 ans, je suis rentré à 35. Fait que ça fait longtemps. How do you feel about Metro musicians? Doesn't bother me any. I mean, if they want to play, it's music, but I haven't really given any money lately, but... Do you ever pay attention to the different music that they play? Yeah, some are much better than others. You could tell I personally have certain tastes for certain of them, and certain of them I don't think are very good at all, but I mean, it's their business, they want to play, why not? Non, moi, je suis rien contre les musiciens qui jouent dans le métro, mais autant que la CTUM fermerait leur propre système de son pendant qu'ils jouent. Parce que deux musiques différentes, c'est pas mal plate, mais j'ai rien contre ça. Ça dépend des musiciens. Il y en a, c'est plaisant de les écouter. Il y en a d'autres que j'aime mieux m'en aller immédiatement, là, parce qu'ils sont pas fameux. Ça dépend. Il y en a qui sont nuls. Il y en a d'autres qui sont très bons, puis je pense qu'ils devraient mieux contrôler ça. Sometimes, when there's nothing else to do, it's nice to hear. I like it. Ils sont très bons, en oui? Général, oui. Je trouve que ça fait plus d'entrée dans le métro. But if they look good, and, you know, give them money. I have a couple friends who do that, though. Nice. Nice? Mm-hmm. Why? Yes, sometimes it's fun, and sometimes make you relax. They make you relax a little? Yeah, it's a good idea. Do you have a favorite one that you think is particularly good? There's a band that goes around Native people, and I think they're really entertaining. Do you ever give Metro musicians money? If they're good. Yeah? Like how much? I don't know if I have any change in my pocket. Buskers aren't the only ones who supply the soundtrack to Montreal's metro. The MUCTC organizes various special events featuring professional musicians performing live at high-traffic metro stations. The recent Metro Stars show included high-profile Québécois artists like comedian Michel Barrette and singer Daniel Lavoie. David Etienne et Linda Lemire. Regardez Musique Plus pour tous les détails de la programmation et courez la chance de gagner des billets de spectacle et une carte d'autobus métro pour un an. Coupons de participation dans le Journal de Montréal. Venez voir les spectacles du Métro Boulot Show du 27 au 29 février en collaboration avec Musique Plus. C'est une entente qu'on a avec le ministère de la Culture, des communications du gouvernement du Québec, puis avec les gens de la disque dans ce cas-là, puis avec le milieu théâtral et le milieu culturel de Montréal pour faire la promotion de la musique et des arts dans le métro. C'est vraiment ponctuel et ça se concrétise aussi avec des colonnes. Quand les gens prennent le métro, maintenant, là, vous avez accès à des colonnes d'informations qui vous donnent tout ce qui se passe en ville, tous les spectacles qui se déroulent en ville. Donc, ça faisait partie un peu de cette entente-là. Nous, en contrepartie de ces affichages-là qu'on a mis à leur disposition, eux autres, ils nous offrent d'animer le métro là, pour certaines journées particulières. Donc ça, c'est un cas qui est vraiment particulier. Ça ne nous empêche pas, si vous voulez, de faire de l'animation dans le métro, parce que ça arrive souvent, par exemple, que l'orchestre métropolitain vient jouer à la station McGill, qu'il y a des événements de promotion. Parce qu'on, dans le fond, nous autres, ce qu'on veut, c'est que notre client, qu'on soit capable d'offrir un bon service rapide, mais aussi que si on est capable d'y offrir un petit plus dans son déplacement, on va lui offrir. Exhausted. He had to arrive at the metro station before dawn,
network to mark his name down on both copies of a schedule list to reserve his spot for this particular time. Whether it's scribbled on the back of a pack of Du Maurier or on the margin of yesterday's La Presse, if the list is in its proper place, it's official. Each metro station has a designated hiding place for one copy of the list. The other copy is placed behind a blue sign. This system usually works. Disputes are rare. Yet some musicians feel the system isn't selective enough. Virtually anyone can pick up an instrument and perform in the metro. Whether or not they can actually play is another question. Some musicians complain that these amateurs lower the image of metro musicians and feel that a special permit should be required in order to play in the metro. Some do it for money. Others do it for practice. As busy Montrealers bustle their way through the turnstiles of the underground, take time to appreciate the culture and personality metro musicians bring to Montreal's transit system. You never know. Perhaps one of the musicians playing for Lunis today will be the superstar of tomorrow. Yeah, but it's not plain, huh?